Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein de Total War Colisum. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Blood Bowl 2, donc j'ai décidé de faire des commentaires un petit peu pour voir un peu ce que ça donne dans ce secteur avec deux jeux. Et du coup j'ai une compétition en ce moment avec une équipe d'orques, donc des Total Waggers que je vous présenterai. Alors voilà la fine équipe, donc on a 4 orques noirs que vous voyez, donc 1, 2, 3 et 4. Vous avez 4 blitzers. 1, 2, 3, 4, 3, 3 quarts, j'en ai récemment acheté un après mon dernier match que je vais vous commenter. C'est un match entre moi, Orc, et des elfes noirs qui étaient menés par Fortune. On a un lanceur, et voilà, globalement. Donc on a un petit peu quelques compétences, c'est une équipe qui a fait la Mad Cup 4 avant. Ça s'est pas très bien passé parce que je me suis fait faire, je crois, 1 nul et 4 défaites. C'était pas top. Bon, récemment j'ai réussi à rehausser un peu le niveau, je me suis entraîné avec d'autres personnes que je remercie, à savoir Mark Mai par exemple qui est dans la team de la SMK. Et merci à Sir Madness aussi au passage. Et voilà, donc au niveau des compétences, j'ai un orque noir qui a pris un niveau la saison dernière avec bloc. J'ai un blitzer avec bloc châtaigne, bloc tacle. Par contre mon lanceur cette, la saison dernière fait forte impression. Il a pris un point de précision, ce qui lui rajoute +1 sur ses jets de passe. Donc tout type de passe, passe courte, longue, bombe, etc. Il a pris aussi un point d'armure parce qu'il avait 8 d'armure et je trouve que c'était un peu léger. Même si j'ai un orque noir qui a eu une commotion grave et une perte d'armure, mais bon, c'est pas trop grave on va dire. Et on va passer au ralenti. Donc que Devil Inside versus Total Wagger. Donc j'avais fait un partout mais je vous montrerai un petit peu le match. C'est parti. Moi, c'est comme le coach. J'ai bien envie de revoir cette séquence. En tout cas, ce match, il était assez particulier. Ça, c'est tout ce que je vous dirai. Mais vous le verrez en image, je vous expliquerai un petit peu. Bonjour à tous, ici Jim Johnson et Bob Pifa. Devil May Cry. L'arbitre demande des autographes à l'équipe qui vient de rentrer sur le terrain. Ça sent le dessus de table. Là au moins. Voilà l'équipe de mon adversaire, donc des elfes noirs, des trois quarts des blitzers, une furie que vous venez de voir passer. Béni soit-elle. Donc il avait un remplaçant, je crois, dans mes souvenirs. Moi j'en avais pas encore. Donc voilà mon équipe, mon lanceur, l'orque noir, des blitzers, trois quarts. Ils ont une belle tête de vainqueur à ceux-là. C'est moi qui vous le dis. Le fameux toss. Pile ou face, face ou pile. Du coup, c'est moi qui avais le toss, je me rappelle maintenant. J'ai décidé de me mettre en défense pour essayer de mieux le contrer et de lui mettre un TD dans les dents. Donc on va se mettre de mon côté si je peux. Alors, je vais vite vous passer le placement, on va le faire. Donc j'ai placé 2-3, je vais mettre en pause, enfin une fois qu'il aura fini. Donc je vais mettre en pause, donc j'ai placé mes 2-3 quarts devant avec bloc, donc qui résiste un petit peu mieux, on sait jamais. Mon lanceur. Parce que voilà, c'est le lanceur, il a un 9 d'armure, il peut voir venir, même s'il n'a pas encore bloc. Ce que je mettrai au prochain niveau. Au centre, pour mieux le contrer, j'ai mis 2 blitzers sur chaque flanc, donc sur la droite et la gauche. Mes 4 orques noirs en diagonale pour essayer de ralentir un peu l'adversaire. Et 2 blitzers en arrière, donc, dont la châtaigne et un bloc, celui qui a bloc de base. Mon tacleur, il était où lui au passage? Il était là. Ok, il était sur la droite. Et mon adversaire lui a mis 3 quarts elfiques. En première ligne pour contrer mes trois gars. 2 blitzers, un là, un deuxième sur ce côté, un troisième là. Le quatrième, je sais pas où il est, il n'en avait pas un quatrième. Ou alors peut-être qu'il a manqué le match. 1, 2, 3, ok. Il reste, c'est du 3 quarts, la furie derrière. Et son coureur en retrait. Je pensais qu'il en avait un deuxième au passage, mais apparemment non. Peut-être que j'ai pas bien regardé. Non, il n'a qu'un coureur. Ok, donc c'est parti. On va passer. Ah bah viens, je passe un tour, bien, bravo.
Parfait, donc il fait une défense en colonne. Mais il n'y a qu'un gars sur le côté, ça me paraît bizarre. Allez. Il gagne une relance, très bien. Il va certainement mettre en soutien sur sa ligne. Ah non, il tente D1D, il réussit, ok. C'est risqué, mais pourquoi pas. Allez, hop, le lanceur, oust. Il va rajouter... Il va avancer un petit peu pour provoquer, je pense. Donc il se met en colonne pour se protéger et empêcher qu'on push passe, ce qui est logique. Il ramasse, donc 2 plus. Il a une agilité 4, donc 2 plus, c'est logique. Donc là, pour passer le dispositif, ça va être compliqué pour le moment. Il protège bien sa balle, hein, ça, il n'y a rien à dire. Il rajoute un 3 quarts pour avoir le 2D ici. Parce que comme j'ai force 3, lui, il a force 3 plus 1 4, donc 2D. La furie en protection également, derrière le coureur. Ce joueur va se prendre un coup de... Il réussit. En dessous de la ceinture. Bon, ça va, j'ai du 9 d'armée. Donc là, je relève mes joueurs, je les remets en pro... Là, je le repositionne mon 3 quarts ici. Je ramène mon lanceur ici aussi. Même si c'est risqué avec 2D. Mon blitzer va coller son blitzer. Mon orque noir se met en arrière pour essayer de assurer une petite défense. Et de l'autre côté, je me dis à personne, bah, j'envoie mon blitzer pour essayer de faire une petite percée. Mon orque noir va coller son 3 quarts. Je ramène aussi un deuxième support ici. Mon blitzer va attaquer ce 3 quarts. Je ne fais que le pousser. Je le pousse, je ne le suis pas parce que je ne vais pas me prendre... Enfin, au début, je me dis je ne veux pas le suivre, mais après je me dis finalement, il vaudra mieux pour assurer... Comme j'ai bloc. Un deuxième orque noir ici. Et là j'ai protégé derrière. Donc là les premiers tours est passé vite. Il refrappe mon lanceur. Un pot. Mon blitzer couché. L'armure passe. Je suis sonné. En plus c'est ma châtaigne, donc c'est un peu pénalisant. Moi qui comptais l'utiliser de manière assez agressive. Là, c'est un poussé sur mon 3 quarts. Il va vouloir percer. Ok. Et au passage, je crois que j'aurais dû mieux fait de mettre mon tacleur en arrière et mettre ce blitzer en avant. Mais bon, c'est sur des faits de jeu. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Un pot d'entrée encore. L'adversaire avait beaucoup de chance de ce côté-là, sur les pots. Il suit. Le coureur, il avance juste d'une case. Il était bien concentré dans son match et je pense qu'il a une bonne expérience sur les elfes. Allez, moi, je vais commencer à mettre des baffes aussi avec mon orque noir. Couché. Bon, j'avais pas bloc, c'était risqué. En général, je commence toujours avec les 2 dés avec bloc. Mais bon, là, j'avais un truc gratos, je me suis dit, on va le tenter. De temps en temps, ça fait pas de mal. Mon 3 quarts va coller ce 3 quarts. Par ici, je ramène du soutien pour coller ces deux-là. J'ai pas envie qu'il y ait une évasion. Et je fais un go for it, donc un mettre le paquet pour le coller le deuxième. Je touche son blitzer. Couché. Du coup, je peux coller son coureur. Je continue d'avancer mon blitzer pour essayer de mettre un peu de pression. Mon autre 3 quarts, je le recule un peu, on sait jamais. Mon autre blitzer, Gab Frank, pour essayer de mettre une petite zone de tac. Il me pousse mon 3 quarts, ok. Bon là il la pousse, donc il a freiné, elle a frénésie, sa furie, donc elle peut m'attaquer deux fois. Ah, elle a moins 2 dés par contre. Elle a de la chance. Si ça aurait été un crâne ou un bloc, elle aurait pas fait la maligne. Là je pense qu'il va aller coucher mon orque noir à 1 dé. Moi je l'aurais pas fait personnellement, mais pourquoi pas. Ça va repérer en me repoussant d'une case. Il envoie un autre coureur en soutien, donc du coup ça va le faire un dé aussi par ici. Et là il se protège bien. Donc là il a 5 joueurs dans ma moitié de terrain. Enfin 7 avec ces deux-là. Mon 3 quarts ici au centre est juste poussé. Il repousse mon orque noir avec bloc et comme 8 d'armure. Il le poursuit, ce qui est logique. Ok. Bon bah on va déjà le repousser. Lui dire deux mots quand même. Plus du
J'enlève mon blitzer avec châtaigne. Je pousse sa furie. J'aurais pas dû le faire. Là, je regrette un peu. J'aurais peut-être dû garder son blitzer collé. Là, je colle aussi pour avoir un contact sur son coureur. J'ai eu beaucoup de poussées, j'avoue, dans ce match. Au début, c'était pas la joie avec mes orques. On pousse, allez. Là, je colle son coureur. J'aurais peut-être dû le blitzer. Il a esquive. J'aurais eu tacle. Là, je pense qu'il aura moins à ramener. Là, je ramène mon lanceur pour apporter le soutien à 2D. Je fais un pot. Les armures qui ne craquent pas, hein, chez les elfes. 8 d'armure. En moyenne, chez moi, 9. Ah. Il tente une esquive qui la loupe. 2 plus, il fait un 1. Là, il réussit la deuxième. Il relève un joueur, j'ai vu. Il esquive encore. Il pousse. Les deux au sol, donc comme j'ai blocage et lui aussi, bah, statu quo. Po, il réussit. Deuxième esquive qui loupe à 1 plus sur 1-1 quand même, enfin sur 2 plus. Turnover pour lui. Et là je me dis bon, faut faire quelque chose. Il y a du monde mais il y a moyen. J'ai la force physique pour. Je décide de pousser celui-là pour repousser un peu son coureur et le mettre dans les pattes de mon orque noir. Je ramène un 3/4 en soutien ici. Un troisième orque noir, là je les enserre complètement. C'est limite de l'anti-jeu de se concentrer autant sur le ballon. Je le pousse, je le mets direct dans l'épave de mon autre blitzer. Je tente le 1D. Je réussis à le relancer, je fais un pot. Son coureur est sonné. Bon, le ballon est là. Ce qui m'arrange pas à des masses. Je blitz mon orque noir pour essayer de libérer mon lanceur qui va avoir un rôle assez décisif ici. Il va ramasser le ballon. 6 plus. Je dois faire du 4. Je fais la passe. J'ai précision plus 1. J'ai fait une passe à 5 plus. Qui fait un 6. Et je reçois la réception. Et je me mets à la... près de la ligne médiane. Donc tour 4, j'étais plutôt bien, j'avoue, de ce côté-là. Et mon adversaire qui me dit OMG la passe. À ce moment-là, on avait discuté. Mais le plus 1 en précision fait vraiment bien la différence. Ça, c'est cool. Du coup, là, il y a un de ses coureurs. Enfin, un de ses 3 quarts qui est démarqué. Il va en libérer un deuxième pour essayer de me mettre la pression. Donc moi je vais attendre un petit peu un tour pour marquer le plus tard possible. Bon, c'est un peu du stall mais j'avais pas trop le choix. Ah bah tiens. Et au passage, il me blesse un blitzer. Il me blesse un blitzer, je relance tout de suite. J'ai aucune blessure, j'ai de la chance. Mais au moins, il est sauf. Esquiver précision, enfin pour mon soi précision. Ouais. Il me couche mon orque noir avec bloc sur un dé. Là, je vais me faire coucher mon blitzer châtaigne. Heureusement que mes armures sont solides quand même. Hein. Un nouveau pot. Qui passe l'armure. Qui sonne mon orque noir. Niveau blessure, je suis chanceux. Hein, on va pas le seul cacher. Est-ce qu'il va 2 plus qui réussit? Je relève mes joueurs qui sont tombés. Puis je vais décider de foutre quelques baffes. Je le poursuis. Mon 3 quarts va coller ce 3 quarts. Et là avec mon orque noir, je vais devoir aller coller celui-là. Mais je crois que je vais faire un 1. Ouais. Je décide de relancer parce que c'est vital que je le colle. Et je refais un double 1, donc ça fait une chance sur 6 que je fais un au début. Une deuxième fois, c'est une chance sur 9. Ou 36, je sais plus exactement.
tour 6, je suis en position de force, toujours. Puis là, il va essayer de blitzer mon blitzer, ce qui est logique. Il pousse, il relance, il le repousse. Donc au moins, il grille une relance. Il rapporte un deuxième support. Il libère un autre joueur comme il a fait tomber mon orque noir ici. Un pot sur un orque noir à un dé, joli. Et lui, je lui ai toujours fait aucune blessure au KO à ce moment-là. Je me dis, ça a pu un peu ce match. La furie qui va à l'autre bout du terrain. Voilà, son équipe, elle est un peu libre avec les trois tombées que j'ai. Donc je me dis, allez, j'esquive et je vais marquer, je traîne pas. Je mène à 0 alors que c'était lui qui attaquait. Ça, c'était plutôt cool. Joli TD de mon blitzer tackler Riot. Voilà les pom-pom girl orc, assez des humaines. J'aurais dû mettre des orcs, tu vois, ça aurait été plus réaliste. Je le ferai au prochain match. J'espère que vous appréciez le spectacle. Ok, donc là, ça va être à moi de défendre à nouveau. Donc là, je me dis, il reste 2 tours. Je vais mettre tous mes joueurs en arrière. Enfin, tous mes joueurs sauf 3, donc des orcs, j'ai mis de quoi en face. 2-3 quarts. Et un orque noir sans expérience, avec un point d'expérience. J'ai laissé un autre orque noir en arrière, sait-on jamais. Là, il va jouer tout sur l'attaque. Là. Je vais juste voir c'était quoi son event. Et là, mon blitzer qui frappe. Il regagne une relance, ok. Il avait beaucoup de chance niveau événement, je me souviens, dans ce match. Je crois qu'il en a eu une troisième après, en seconde mi-temps, je ne me souviens plus exactement. Là, il va mettre la pression directe. Il va s'investir dans le camp, au calme. Donc, il va marquer mon orque noir au centre. Il va mettre un joueur dessus, c'est tout. La furie qui rejoint le gros de l'équipe adverse avec un go for it qui réussit. Son coureur qui se loupe une première fois. Je me souviens plus s'il rate, mais je crois qu'il réussit après. Ouais, 3 plus. Il rejoint le reste de sa team. Et là, go for it qui loupe. Son coureur perd la balle. Je pouvais créer un petit ouf de soulagement, mais pas pour longtemps, je pense. 2 dés au centre qui fait un pot. L'armure qui craque toujours pas. Deuxième pot. Adversaire au sol, mais pas d'armure qui tombe. Et là, c'est 2 dés normalement. Ici, je fais tomber un adversaire. Et c'est la blessure, enfin, tour 7, une blessure. Il perd un point d'agilité, bon, il passe de 4 à 3, ça va, il y a pire. Là, je vais essayer de remonter ma défense un peu. Je vais essayer de faire tomber son blitzer, ou sa furie. En plus, c'est mon tackler. Donc là, je suis qu'un poussé, mais bon. Là, je redécale un peu ma défense vers ce côté-là. Que je me dis, je crois que j'ai fait peut-être une erreur en mettant tout en arrière. Et ça va se confirmer avec ce blitz. Donc son lanceur récupère le ballon, il fait la passe, qui réussit à son collègue juste en face et il va aller marquer, je pense. Il va pas traîner. Un partout, tour 8. Ah bah ça tu m'étonnes. Bon, il a un blessé, ça c'est déjà pas mal. Alors on va passer ça, on va voir ses déploiements. Ok, donc moi je me suis dit je vais bourriner un peu. J'ai placé mes orques noirs en première ligne pour le taper, même si je sais que tour 8 c'est mission impossible pour marquer. Donc là j'ai mis tout sur la losse, hein. Je me suis pas cassé la tête, j'ai mon lanceur qui a pris le ballon. Allez hop, on va taper.
Orc noir qui tape un 3 quarts qui tombe facilement. On continue avec la châtaigne. On dit que ça pourrait aller mieux, ben non. Juste au sol. Troisième orc qui tape. Au sol, mais pas d'armure qui craque. Donc là, c'était le tour de bâche. Hein. Donc j'ai envoyé mon orque noir là juste pour le fun, mais pour avoir un 2D sur son 3 quarts qui a bloc. Ou l'autre derrière. Voilà. En plus, c'était son courant. Je me suis dit, si j'arrive à le foutre en l'air, ça pourrait me donner peut-être une petite chance en seconde mi-temps, comme j'aurai l'attaque. D'avoir la supériorité du mec. Je fais une passe. Il se foire. Une première fois. Il réussit la deuxième. Donc, c'est juste pour l'XP. Hein. Quand vous êtes autour 8, en général, je vous conseille de le faire. Une case ou deux, selon le type de joueur que vous avez, évidemment. Seconde mi-temps. Tout le monde revient. Pour se taper joyeusement dessus. Donc, on va passer sa phase de déploiement. On va le faire direct. Il relaisse 3 quarts avec. Dont 2 avec bloc. Sa furie est en arrière, son blitzer aussi. Moi, je mets mes orques en avant. Comme j'ai l'attaque, je mets aussi des blitzers en arrière pour former un début de cage. J'ai deux orques là noirs, ouais, donc je peux former pas mal de cages. Je commence à le bâcher un peu. Hop, 2 tombés, pas de blessure toujours. Là, je le pousse. Je le suis. Mon orque noir qui arrive en soutien. Mon orque noir, mon 3 quarts, je le mets plutôt ici. J'ai commencé à former ma cage. Donc j'ai mis un là. Le blitzer là, je vais le décaler ici. Et lui, il va aller au centre pour être bien protégé. C'est quand même un lanceur. Donc une fois qu'il aura bloc ou esquive selon le GD au niveau supérieur, ça devrait aller un peu mieux. Je recule ma défense sur ce côté là vers le centre. Donc là, je décide d'aller blitzer ce 3 quarts. Je fais un pot. Je reste en position. Je le sonne. La châtaigne qui fait la différence. Et je continue de défendre. Donc là, avec ma cage, donc j'avais deux blitzers, un 3 quarts et un orque noir. Je me dis, ça devrait aller. Là, il va commencer à continuer à mettre la pression. Il va vouloir me blitzer ma châtaigne pour me faire payer son sonnet. Il réussit avec un pot. L'armure qui tient. Il se remet en place. Excusez-moi. Il met un de ses coureurs en position pour tenter de faire la même que j'ai fait avec mon blitzer. Tout à l'heure, ah, là, un pot avec un orque noir. Il tombe, c'est celui qui avait blessé en plus. Alors lui, il va juste pousser cet elfe noir ici. Mon orque noir qui a blitzé son coureur avec le bloc, me dit il y a moyen de le faire tomber. Eh ben non, un simple poussé. J'ai pas voulu utiliser de relance, c'était inutile. Même si je crois qu'il avait. Alors, je crois qu'il avait un joueur avec moins 1 d'armure ou c'était peut-être son blessé, je sais plus. Non. Là, c'est le moins 1 d'agilité, ok. Donc là, je déplace ma cage avec mon lanceur, mon blitzer, mon 3 quarts. Histoire d'être bien protégé. Et là, je décale d'un cran cet orc. Noir, pardon. Et là, le blitzer qui rejoint le reste de la cage. Je relève mon blitzer cogneur, là, avec la châtaigne. Le mettre là. Donc là, il va relever tous ses joueurs. Là, il va devoir avoir du 1D en moyenne ici. Sauf s'il rajoute des supports. Ce qu'il fait. Non, pardon. Il le fait pas, j'aurais cru. Et là, derrière, il va essayer de contourner ma cage. Ah, c'était son coureur là. Ah, il avait deux coureurs. Ok, bah. Lui, j'aurais peut-être dû le bousiller. Hein. Je suis en train de regretter. Sa furie retourne en arrière pour essayer d'assurer une défense. Là, ce qu'il y a de bien avec ma cage, je peux à peu près bouger où je veux. Donc là, il va réussir à faire tomber mon 3 quarts avec bloc. Ce qui va me mettre la pression sur mon lanceur. Il fait une esquive en plus. Sur mon orque noir avec bloc. Là, pareil, il va éviter le contact. Là, je vais rajouter du support. Je blitz avec mon 3 quarts qui est récemment tombé.
Ça touche. Du coup, mon lanceur est libre de se déplacer sans zone de tacle. J'essaie de le mettre là, d'avancer progressivement. Reformer ma cage. Donc, je vais mettre cet orque noir au nord. Ce blitzer là va aller au sud pour assurer le tout. Mon orque noir va coller le coureur avec cette armure. Et derrière, je vais commencer à renforcer ma ligne pour commencer à foutre des buffs aux trois quarts. Évidemment, je ne poursuis pas, j'assure ma défense. Double crâne. Peau. Je relance. Allez, un KO. Ça fait du bien. Donc là, 10 contre 11. Ça commence à peser lourd. Donc, il a 10 joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Il va vouloir mettre le paquet sur ma cage, ce qui est logique. Il réussit pas une première fois, et il réussit pas une deuxième fois, il grille une relance. On a deux relances chacun, j'ai mon apothicaire que j'avais grillé. J'avais aussi une corruption que j'ai pas utilisé du tout dans le match. Comme j'avais moins de TV que lui, enfin, de valeur d'équipe si vous préférez. Et je regrette un peu, je me dis j'aurais pu faire une ou deux, genre un sorcier ou quoi avec sur la service de Bloodvisor vu que j'ai pas eu de KO. J'aurais pu lui annihiler une occasion de but et tout dans ce match, et je regrette. Enfin, de touchdown, pardon. Allez, encore un double crâne, ouais. Allez, armure qui craque. Sonné. Allez, là, on touche à nouveau un blitzer. Pas d'armure qui craque sur ce coup-là. Lui, on va le faire tomber, ce blitzer. Pas de blessure encore, enfin pas d'armure qui tombe. Là je me remets au centre, j'avance d'une case. Je vais reformer ma cage tranquillement. Et puis j'ai un orque en première ligne, c'est parfait. Je marque un peu ces joueurs qui restent. Et là j'ai du 2D sur son 3 quarts, je le pousse juste. Je ne le poursuis pas. Pour essayer de sécuriser encore mieux ma cage. Ah, il fait une esquive qui foire. Sur du 2+. Il relance. Il réussit. Donc il a déjà plus de relance, première action, c'est magnifique. Il relève son blitzer que j'avais fait tomber au tour précédent. Il fait un crâne. Mon tour s'est terminé vite fait. Trois actions. Turnover. Là je vais aller coller son 3 quarts qui n'a rien. Je vais blitzer avec la châtaigne. Ça touche. Je reste. Je décide d'avancer mon blitzer pour essayer de faire un coup de bluff entre guillemets pour lui montrer que j'ai envie de marquer avec lui. Là je reconstitue ma cage. Je dois faire un go for it qui réussit avec ce blitzer. Mon lanceur qui va au milieu de la cage avec un go for it qui réussit également. Ce joueur tente le tout pour le tout. Donc là lui je sais plus s'il va réussir. C'est bon. Donc ma cage là, elle tient bien, pour l'instant. Là j'ai du 2D avec mon orque noir qui a bloc. Je le poursuis, ça donne rien. Je colle ce 3 quarts ici. Mon orque noir va coller ce blitzer. Lui, il va protéger la cage sur ce flanc là. Pour essayer de faire une meilleure défense possible. Et j'ai ce orque noir qui va coller la furie. Tour 13. Donc là il relève évidemment. Là il décide de marquer mon blitzer, voyant qu'il est un petit peu démarqué. Donc là il a ces deux joueurs là, donc son blitzer et son 3 quarts qui vont être relevés. Je pense qu'il va se replier. Et lui je sais pas s'il va le laisser au contact. Non, il va le laisser. La furie qui fait une esquive qui réussit, mais qu'elle a dû relancer comme elle esquive. Un poussé qui réussit. Et là c'est du moins 2D derrière. Donc je prends le dos au sol comme j'ai blocage, et elle aussi. Donc là il va mettre la pression sur mon lanceur, ce qui est normal. Donc avec mon orque noir je décide de mettre une baffe à sa furie. Et là l'armure qui craque. Ce tour 14 je crois qu'il a été dévastateur au niveau sonné chez lui. Donc premier sonné là. Deuxième. Allez, et de deux.
du mal à démêler ce patras. Là, qu'est-ce que ça donne? Allez, et 2-3. 3 joueurs out. Tour 14, pas mal. Peut mieux faire. Pour assurer spectacle, question violence. Allez, et 2-4. Paf. Donc là, je me dis, il y avait peut-être moyen d'aller chercher la victoire. Les elfes sont pas faciles à négocier en général. Donc en gros, 4 sonnés dans ce tour, plutôt pas mal. Je ramène mon orque noir pour coller son coureur. Je vais reformer ma cage tout de suite. Avec mon blitzer là, je décide d'achever celui-là. Hop, ça fait 5 sonnets. Donc là, j'avais ce flanc là complètement ouvert. Donc là, je continue de former ma cage. Tour 14. Bah, mon adversaire, voyant les dégâts, il se dit comment il va faire. Je suis certainement. Il blitz mon orque noir. Qui n'a pas de compétences, bien sûr. Ce qui fait qu'il colle mon lanceur dans la foulée, ce qui est logique. Il a son coureur qui est là. Avec esquive, ok. Là, c'était vite son tour. Hein. Donc là, il a 5 sonnets à relever, c'est logique. Lui, je le pousse. Je ne le suis pas, évidemment. Donc là, je fais une transmission à mon blitzer. J'essaie de dégager celui-là. Mais tout peut encore se passer. Je tente une esquive d'abord. Je me dis, il y a peut-être moyen. 50%. Je relance. Et ça veut pas. En fait, j'avais deux esquives à faire. Mon orque est sonné. Enfin, mon blitzer. Et là, je me dis, je vais faire le con. Je vais le regretter derrière. Et je vais me prendre une contre-attaque parce que j'avais oublié qu'il y avait un coureur dans mon camp encore. Évidemment, il va sécuriser la balle. Ah, il refait une esquive qui rate. Il a encore une relance. Il la relance, ce qui est logique. Elle fait bon pour se relever, donc elle peut agir rapidement. Donc là, j'avais un bon avantage de force ici, mais... Ah bah, j'ai eu de la chance. Il loupe son ramassage sur un 1 quand même. Donc là, c'est mon dernier tour, donc je devais impérativement aller marquer. Ok. Là, ça passe. Là, je suis en train de bâcher pour essayer de libérer mes blitzers sur le côté. Du coup, il gagne une case. Mon orque noir qui fait péter encore une armure au dernier tour. Ici. La furie qui va retourner à terre. Avec un beau sonnet. Et là, j'ai mon blitzer tackler qui était démarqué. Donc là, ça y est. Je décide de faire tomber sur le ballon pour l'éloigner sur ce côté-là. Ce qui marche. Et là, je me dis, bon, faut y aller. J'espère que je vais pas avoir faire de... J'ai dû faire deux go for it. Et là, je me dis, j'ai tenté la passe, mais c'est intercepté, malheureusement. Alors, attendez, je vais juste retourner au tour précédent. Je vais voir si je peux... Ah, c'est dommage qu'on peut pas y aller action par action, tant pis. J'aurais aimé savoir si, quand j'ai eu mon 3K ici, je pouvais encore tenter de... Bah, on va le revoir. Donc on peut pas le voir, ok. Alors, je vais mettre en pause. Mon 3K a 5 de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Jusque là, ça va. J'aurais peut-être dû tenter un go for it, me mettre là, et lui faire la passe. Je pense que ça aurait été plus judicieux. Mais bon. J'avoue que j'étais en pleine action dans ce match, donc c'était un peu compliqué de s'en rendre compte. 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais dû faire une passe là, parce que lui, je pensais pas qu'il pouvait l'intercepter, mais si. Donc il l'a intercepté, j'ai à lui. Du coup, il a gagné 2 XP, je crois, quand vous l'interceptez, c'est 2 points d'expérience. Donc là, c'est son dernier tour. Donc là, il va démarquer ses joueurs. Et là, je me dis... J'ai mal joué, j'aurais pu. Si j'avais fait une case en plus, j'aurais pu marquer ce TD et l'emporter. Donc il tente une passe à 3+, qu'il rate fort heureusement.
et c'est la fin du match. Le ballon ne va nulle part. Bah du coup, il y a un de ses blitzers qui a pris l'homme du match, le MVP, comme on appelle. Donc il gagne 5 XP, il passe de niveau. Et j'ai mon orque noir bloqueur avec 8 d'armure qui a pris un niveau aussi. Donc il a mis un TD, j'en ai mis un. Il a fait une passe, j'en ai fait 2. Je lui ai brisé 12 armures, il m'en a brisé 3. Il m'a fait une interception. Donc les SPP ont un petit peu au niveau des niveaux. Qu'est-ce qu'on a? Donc lui, là, Gluot qui a marqué le TD. Mon orque noir là qui a fait une blessure. Grash, c'est le lanceur qui a fait 2 passes. Et le MVP, c'est l'orque noir. Donc les jets de dés, on va regarder vite fait. Donc il a fait quelques 6. Il en a fait 14, ouais. Moi j'en ai fait 20. J'ai eu moins de 1 et 2 que lui, de ce que je vois. Moins de 3 surtout. Il a tenté beaucoup plus d'actions que moi au niveau des jets. Donc ceci est la fin de ce commentaire de match de la Mad Cup 5 organisé par Sir Madness et la Mad Academy. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc s'il y en a qui sont intéressés par Blood Bowl et qui n'ont pas encore joué au jeu, ou qui veulent jouer tout simplement, je leur mettrai le lien de la Mad Academy, du Discord, et certainement aussi le classement si vous voulez voir un petit peu où j'en suis dans la saison, parce que je vais faire le commentaire de tous les matchs de la saison que je fais. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était Kaiser von Kerstein de Total War Coliseum. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures les amis. Au revoir.